Salut à tous, bienvenue dans l'antre. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte d'une nouvelle réplique, le Crytek LVOAC sous licence Warsport. Je remercie Gaël qui m'a envoyé sa réplique. Alors elle vient directement de chez Evike aux États-Unis. C'est une réplique qui coûte là-bas 425$. Pourquoi l'a-t-il acheté aux États-Unis alors que c'est dispo en France? Tout simplement parce que la couleur ici n'est pas dispo en France. C'est une couleur spéciale pour Evike. C'est le Combat Grey. Alors des fois on peut trouver aussi l'appellation Wolf Grey. Il existe également en noir, en Flat Dark Earth. Donc ça c'est du beige foncé, hein. Et en Foliage Green. On trouve quand même ces LVOAC en France, sauf la version grise. Par exemple, chez OPS Store, vous le trouverez pour 485€. La réplique est livrée dans la boîte que vous voyez derrière moi. Donc c'est une boîte standard chez Crytek, hein, avec cette espèce de poulpe ou on ne sait pas quoi. À l'intérieur, la réplique et ses accessoires sont bien calés dans une mousse compacte. Ça a traversé la moitié de la Terre, il n'y a rien qu'à bouger. Il y a pas mal de choses dans la boîte de ce LVOAC. Déjà, hop, un petit peu de documentation. Donc tout ce qui est papier de garantie... etc. Un autocollant Crytek. Et puis le mode d'emploi, voilà, rédigé en anglais. Toujours standard chez Crytek. Hein. Alors il y a pas mal d'informations là-dedans, même pour le démontage. Et puis à la fin, ce qui est toujours cool, c'est que vous allez trouver l'éclaté de la réplique, avec la liste des pièces, etc. Et il y a un papier dans la boîte, dans toutes les répliques Crytek, qui dit si vous avez un problème avec la réplique, ne dealez pas avec votre boutique, mais dealez directement avec nous. Alors, j'ai pas eu de soucis, moi, sur les répliques Crytek, c'est la troisième qui me passe entre les mains. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu un petit souci, vous, et si vous avez contacté le SAV de chez Crytek, comment ça s'est passé. Ensuite, on a un chargeur avec une coque en acier, chargeur iCap. Voilà, avec sa petite molette. Bon. La petite clé Allen qui va permettre, hop, de... Alors de base la réplique est montée avec un cache-flamme en plastique comme celui-ci. Plastique orange qui est monté au frein filet, qui est monté très fort, qui est maintenu par une petite vis. Mais on verra tout à l'heure que c'est livré avec un autre cache-flamme qui est vachement plus sexy. On a une tigette de nettoyage. Voilà, c'est bien ça. Un système d'emprunt des gaz. Alors ça ne sert à rien, c'est simplement pour donner eh bien, un look un petit peu plus réaliste, on va dire, à votre réplique. Voilà, ça va se mettre autour du canon externe. La réplique est également fournie avec une paire d'organes de visée. Mais ce qui vous intéresse, ce qui nous intéresse, c'est la réplique. Elle est là, elle est derrière moi. On va voir tout de suite à quoi ça ressemble. Hop, elle est là, elle est belle. Toute de gris vêtue, sauf la crosse et puis les petits accessoires. Donc en parlant d'accessoires, j'ai vraiment tout monté ce qu'il y avait dans la boîte là-dessus. Sauf du coup le tube d'emprunt des gaz. Mais sinon, j'ai monté les organes de visée, j'ai monté le rail, et oui la réplique est livrée avec un rail et ses deux vis que vous pouvez fixer à peu près n'importe où sur le garde-main. Warsport, c'est une société américaine qui fabrique des fusils, entre autres, et des accessoires. La particularité, c'est que ils vont construire de A à Z les fusils, ils ont les machines outils, ils ont un peu tout, voilà. Ce qu'ils peuvent pas construire, ils le sous-traitent, sans aucun doute. Et puis la personne qui va assembler votre fusil et fabriquer votre fusil, eh bien, elle va s'occuper d'un fusil, c'est-à-dire elle va pas juste poser le garde-main et puis passer ça à son pote, hein, c'est pas du travail spécialement à la chaîne, on va dire. Ce sont des armuriers qui fabriquent ces fusils de A à Z. C'est une compagnie qui est basée en Caroline du Nord et on va dire un des signes distinctifs de cette compagnie, c'est leur garde-main avec ce look comme ceci. Assez... évidé, voilà, avec un rail Picatinny sur le dessus, mais toujours des trous pour alléger en fait le garde-main. Et ensuite sur les côtés et sur le dessous, vous avez un système à vis. Et donc vous pouvez fixer le rail où vous voulez. En plus, vous avez une attache QD de chaque côté. Donc vous voyez ici, j'ai mis un petit anneau de sangle. Alors il n'est pas fourni avec la réplique, hein, cet anneau. Ça, c'est du perso. C'est une version longue. Warsport fait des versions un peu plus courtes, moyennes, etc.
Donc ce rail est fabriqué sous licence bien sûr, mais on a également les marquages du upper et du lower qui sont reproduits avec l'accord de Worksport. Ici. De l'autre côté. Et du coup, vous avez pu voir que le secteur de tir est ambidextre. Voilà, donc ça, c'est toujours sympa. Donc c'est pas en gris. Ouais, pour moi, effectivement, c'est pas du Wolf Grey. Hein. C'est le Wolf Grey, il est plus clair que ça. Là, on nous dit Combat Grey. Donc un gris un petit peu foncé, bleuté. Vraiment un look très très sympa. La trappe anti-poussière ici est noire. Par contre, elle va hop, dégager le réglage du hop-up. Donc ça, ce sont les blocs hop-up Crytac. Voilà, crantés avec des positions entre 0 et 15, me semble-t-il. Et du coup, de l'autre côté, l'arrêtoir de culasse est fonctionnel. On va voir une poignée pistolet Défiance. Alors ici, ce sont les anciens modèles. Donc vous avez Trident d'un côté, parce que bah, c'était les poignées pistolet des Tridents. Et puis Crytac ici de l'autre côté. Maintenant, il me semble qu'il y a des poignées directement avec écrit Défiance dessus. Alors Défiance, c'est une marque d'accessoires qui appartient aussi à Crytac, Chris, enfin bref, c'est le même groupe. On va avoir une crosse ici de chez Crytac, donc design Crytac, c'est la crosse Battery, avec ici une plaque de couche caoutchoutée. Et puis on va pouvoir ici retirer justement cette plaque de couche, si j'y arrive. Voilà. Pour pouvoir insérer une batterie, donc ici de chaque côté, dans le tube de crosse si vous voulez. C'est du plastique dur recouvert de caoutchouc. De chaque côté, vous avez pareil un emplacement en métal pour mettre un attache-sangle QD. QD, c'est pour Quick Detach. Et on va pouvoir régler la longueur de cette crosse. Il y a 6 positions. Et ici, je ne sais pas si vous verrez sur le tube, mais les 6 positions sont marquées. Hop, on va rester aux alentours du tube de crosse, parce que ici, vous avez un double anneau aussi pour attacher une sangle 1 point, par exemple. Donc ça, c'est bien, il n'y a pas d'accessoires à racheter. Hein. Alors, un truc assez étrange, c'est que normalement, la détente est un modèle spécifique, un modèle droit, sous licence CMC. Et là, on a une queue de détente qui est normale. Par contre, vous remarquerez le pontet, voilà, avec son design particulier. On a quand même assez d'espace, hein. Je pense qu'on peut tirer avec des gants sans souci avec cette réplique. C'est vraiment pas un problème. Elle est bien équilibrée, franchement, c'est pas trop lourd. Les dimensions et la masse de cette réplique s'affichent maintenant comme par magie sur votre écran. Vous voyez, c'est pas excessivement lourd pour la taille de la réplique. Franchement, c'est l'avantage aussi d'avoir un rail comme ceci, très très ouvragé, très très usiné. Et tout à l'heure, je vous parlais du cache-flamme. Ici, on peut en avoir un petit aperçu. Voilà, c'est un cache-flamme en acier de chez Worksport. Hop, et d'ailleurs, c'est comme le pour-salut. C'est écrit dessus. Et puis vous aurez remarqué ces organes de visée assez étranges. Non, non, ils ne sont pas à l'envers. J'ai vérifié sur le site de Crytac. Donc ici, un bloc hausse qui est bien sûr amovible. Hein. Donc réglable en hauteur et en dérive. Et en plus, vous allez avoir ici deux orifices différents. Voilà, des petits peep-sides comme ça. Donc c'est solide, c'est bien maintenu. Hein. À l'avant ici, un guidon. Avec un design assez spécifique. Hein. Vous voyez. Et puis un petit cran de mire. Là, par contre, on est sur un cran de mire assez classique, type AR-15, etc., que vous pourrez régler avec un petit outil. La visée est intuitive. Hein. En plus, là, j'ai le grand trou, on va dire. Ouais, non, c'est pas mal. Et puis, vous avez toujours la possibilité, ici, sur le dessus, de mettre eh bien, un point rouge ou ce que vous voulez. Hein. On va lui mettre son petit chargeur. Voilà, donc look assez classique pour ce chargeur, hein, coque en acier. Alors, je vais tester la compatibilité avec un certain nombre de marques de chargeurs que je possède. Ici, un modèle de chez CA. Ça passe. Ici, ce sont les modèles de chez UFC que Gaël a acheté en même temps que sa réplique. Voilà, c'est du plastoc. Hein. Ce sont des chargeurs 140 coups.
ça rentre, j'espère pour lui que ça feedera. Ici un chargeur Airsoft System. Bon, ceux-là, ils sont toujours un petit peu chelous. Bon, Airsoft System, ça passe pas. Un chargeur ATM polymère, ça passe. Un chargeur Amoeba, ça passe. Un chargeur QRS de chez VFC, ça passe. Un chargeur ATmag, mais les classiques, hein, les Stanag en métal, ça passe même très bien. Ici, un GG, ça passe. Ici, un modèle OPS, ça passe. Oh, puis là, le look est assez sympa, hein, avec ces fausses cartouches, là. Alors, c'est pas très très bien fait, mais de loin, ça donne l'illusion. Oh, sympa. Donc, vous voyez là, à part mes chargeurs Airsoft System, qui sont un petit peu spécifiques, malgré leur solidité, eh bien, ce Crytac va tout manger. Hein. On va lui insérer une petite batterie dans les FFS. Donc ici, c'est une batterie Energy Airsoft, LiPo 7V4, 2900 mAh. Donc là, on a une très très bonne autonomie, on a une assez bonne réactivité, et ça rentre dans la crosse. Ici, un élément de chaque côté. Toujours une connectique Tamiya Mini, hein, franchement. C'est une plaie, ce truc-là. Franchement, le contact électrique est dégueulasse. Et puis, en plus, on a vite fait de ne pas être en face. Là, si vous pouvez recâbler vos répliques et vos batteries en DIN ou en XT60, franchement, faites-le, quoi. N'hésitez pas une seconde. Vous verrez, vous n'aurez même pas besoin, parfois, d'investir dans des grosses upgrades. Vous redonnerez une seconde vie à votre réplique. Donc bien entendu, ce sont les gearbox Crytac avec le FET intégré, ce qui fait que ça va vous protéger votre contacteur. C'est un chariot normal. Contrairement au Vector, il n'y a pas de micro switch ici. Tant pis. À l'intérieur, je suppose qu'on a le moteur Crytac 30 000 tours minute. Ce sont des bons moteurs. Voyons voir ça. Ah, c'est pas mal, hein. Bien sûr, vous allez pouvoir utiliser de la 11V1 si ça vous plaît. Il n'y a pas de problème. C'est fait pour. Donc voilà, ouais, c'est bien fait plaisir, Gaël, là-dessus. Là. Ce sont des répliques qui sont relativement chères, mais on a une finition qui est quand même très très chouette, que ce soit au niveau de l'externe comme au niveau de l'interne. Pour l'instant, donc c'est ma troisième Crytac. J'avais fait donc la Trident pour Red Dot Magazine. Je vous ai fait le Vector il n'y a pas très longtemps, et puis maintenant celle-ci. Alors j'adorerais faire leur Light Machine Gun, mais franchement le prix pour moi est prohibitif. Je crois qu'en France elle sera plus de 600 €. Donc je pense pas que ce sera une réplique que vous verrez sur ma chaîne. En plus, c'est le genre de réplique que j'aimerais bien genre m'acheter pour avoir une réplique de soutien côté ouest, on va dire. Mais voilà, pour l'instant, j'ai d'autres priorités que d'acheter une LMG à plus de 600 €. J'espère que cette réplique ne lui fera pas défaut lorsqu'il partira en République tchèque l'année prochaine en OP. Je le dis à peu près à chaque vidéo où j'ai une réplique type AR-15, c'est pas vraiment mon kiff. Mais bon, quand même, il y a de la gueule là. Et j'en aurai une autre bientôt à vous présenter de chez Evolution Airsoft. Evolution Airsoft qui a sorti toute une gamme également de répliques inspirées justement de ces Warsport LVOAC. On verra que même si c'est pas des vrais LVOAC, c'est quand même des répliques assez sympas. Voilà, n'hésitez pas à commenter si jamais vous avez une réplique Crytac chez vous, que ce soit celle-ci, le Trident, le Chris ou une autre, hein, ou cette fameuse LMG. Dites-moi si vous en êtes content, dites-moi si vous avez eu des soucis, si vous avez eu affaire au SAV de chez Crytac. N'oubliez pas de poser le petit like qui va bien, bah oui, ça fait toujours plaisir, hein. Le petit dislike si vraiment vous n'êtes pas fan, mais bon, si vous n'êtes pas fan, au bout d'un moment, il va falloir arrêter de regarder mes vidéos, les gars. Je vais mettre son petit chargeur à cette petite réplique, mettre des petites bibis, remettre une petite batterie, et puis aller sur le terrain voir comment ça se comporte. Si vous ne voulez rien louper de ce qui se passe dans l'antre, n'hésitez pas soit ici à cliquer sur la petite cloche, à vous abonner si c'est pas fait, et si vous êtes sur Facebook ou Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre sur ces deux supports. Sur Facebook, vous aurez toutes les
infos et toute l'actualité de l'antre. Et sur Instagram, je mets de temps en temps des petites photos exclusives qui, habituellement, ne servent pas à être postées ailleurs. Merci encore une fois chaleureusement à Gaël. Je vais m'occuper de ça rapidement pour pouvoir lui renvoyer son précieux pour qu'il l'ait quand même avant Noël. Hein. Et puis, je vous dis à bientôt dans l'Antre du Dingo. Bisous.